Bonjour à tous et bienvenue sur CB Maths. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 du sujet 2 du CRPE 2014. L'exercice ayant pour thème développement d'un carré, donc identité remarquable et démonstration. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. On effectue à la calculatrice les calculs ci-dessous. 123 au carré moins 122 au carré moins 121 au carré plus 120 au carré égale à 4. 45 au carré moins 44 au carré moins 43 au carré plus 42 au carré égale à 4. 1. Tester ce résultat surprenant sur une autre série de 4 nombres consécutifs et émettre une conjecture. 2. Prouver que la conjecture faite précédemment est vraie. Alors, tester ce résultat sur une autre série de 4 nombres consécutifs. Donc on va prendre 1, 2, 3 et 4. Donc 4 au carré, moins 3 au carré, moins 2 au carré, plus 1 au carré. 4 au carré, 16, moins 3 au carré, 9, moins 4 au carré, 4, plus 1. Donc 16 moins 9, moins 4, plus 1. Donc 17 moins 13, ce qui fait 14. Ce qui fait 4. On peut prendre 8, 9, 10 et 11. 11 au carré, moins 10 au carré, moins 9 au carré, plus 8 au carré, c'est égal à 11 au carré, 121, moins 10 au carré, 100, moins 81, plus 64. 121 plus 64, 185, moins 100 plus 81, 181, et ça fait bien 4. Etc, etc. Alors ici, on a testé sur deux séries de 4 nombres consécutifs, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, et on peut émettre la conjecture suivante, sachant 4 nombres consécutifs, k, k plus 1, k plus 2, k plus 3, avec k appartenant, donc k un entier naturel qu'on note k appartenant à n. Donc on peut émettre la conjecture suivante, k plus 3 au carré, moins k plus 2 au carré, moins k plus 1 au carré, plus k au carré, est égal à 4. Et ça, on va le démontrer maintenant. Alors, k plus 3 au carré, on le développe, ça nous fait k au carré plus 3 fois k fois 2, donc 2 fois 3 fois k, 6k, plus 3 au carré, 9, moins k plus 2, le tout au carré, donc k au carré, plus le double produit, 2 fois 2 fois k, 4k, plus 2 fois 2 au carré, 4, moins k au carré, plus le double produit de k, plus 1, plus k au carré. Alors ici, nous avons k au carré plus k au carré, 2k au carré, plus 6k plus 9, moins, ici, donc moins et moins, donc ici ça va faire moins k au carré plus 4k plus 4, plus, moins par moins est égal à plus, k au carré plus 2k plus 1. Donc on réduit dans le crochet. Donc k au carré plus k au carré, 2k au carré, plus 4k plus 2k plus 6k, plus 4 plus 1 plus 5. On peut simplifier ici. Et 9 moins 5, c'est égal bien à 4. Alors, on a montré pour k appartenant à n que k plus 3 au carré moins k plus 2 au carré moins k plus 1 au carré plus k au carré, c'est égal à 4 pour tout k appartenant à n. Mais on peut aussi montrer cela pour tout k. Donc pour tout cas appartenant à Z, donc c'est-à-dire les entiers relatifs.
entiers relatifs, donc les entiers négatifs et entiers positifs. Sachant que moins k au carré est égal à k au carré. Moins k au carré est égal à k au carré. On prend trois nombres consécutifs, donc moins 3, moins 2, moins 1, 0, ben c'est comme si on montre l'égalité 0, 1, 2 et 3. Donc c'est-à-dire moins 3 au carré, moins moins 2 au carré, moins moins 1 au carré, plus 0 au carré. Et bien c'est égal à 0 au carré, moins 1 au carré, donc ici moins 1 au carré c'est égal à 1, moins 2 au carré, plus 3 au carré. Donc maintenant, reste à montrer, moins 2, moins 1, 0, 1, donc ça fait 1 au carré, moins 0 au carré, moins moins 1 au carré, plus moins 2 au carré. Et ça, c'est égal à donc 1 au carré, moins 0, moins 1 au carré, moins 1, plus moins 2 au carré, 2 au carré, donc plus 4, donc il reste 6, si ça disparaît, et si on a 4. Et moins 1, 0, 1, 2, et bien c'est la même chose. Donc ça fait moins 1 au carré plus moins 0 au carré moins 1 au carré plus 2 au carré. Donc ça nous fait 1 moins 0 moins 1 plus 4. Ça nous fait 4. Donc finalement, on peut montrer que pour tout cas appartenant à z, donc k plus 3 au carré moins k plus 2 au carré moins k plus 1 au carré plus k au carré est égal à 4, cette égalité, elle est valable pour tout k appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. Bien voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.